En 2022, le royaume chérifien et la Côte d'Ivoire vont fêter 60 ans de coopération et de partenariat. Quels ont été les grands axes de cette amitié et dans quel domaine précis ces relations vont-elles se renforcer? Alors, la Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est une relation, je dirais même, ancestrale. Sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire est passée par de nombreuses crises sociopolitiques. Comment le Maroc a-t-il participé au retour de la paix et de la stabilité dans ce pays? Nos troupes étaient là, nous avons 700 à 800 hommes qui étaient un peu disséminés à travers le pays et qui ont contribué effectivement non seulement à la stabilisation du pays mais aussi à mener un certain nombre d'actions sociales.